Comment faire un backside air, ce fameux grab mythique du snowboard que tout le monde a envie d'apprendre? La première chose à faire va être, quand vous arrivez sur le saut, vu que c'est un saut droit, de fléchir et d'avoir la planche le plus à plat possible. Les mains par ici pour pouvoir avoir une bonne impulsion. Au moment de l'impulsion, je vais monter mes genoux afin de pouvoir graber avec ma main avant entre les talons. Une fois que je vais être là, je vais pouvoir tirer la planche dans mon dos en utilisant ce bras-là qui va venir devant et ça va me permettre de tweaker le grab. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et si jamais vous essayez le backside air, n'hésitez pas à taguer Nomad Snowboard. C'est parti pour le backside air. Je fléchis bien, je grabe le méthode et je puis. Encore une fois. Ok. Comme vous avez pu voir, parfois je viens graber ici devant. C'est un peu plus facile, ça va donner un style un peu plus tendu. Pour ma part, je préfère venir le graber vraiment entre les talons, histoire de style. Allez, à vous de jouer. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again.